Bonjour, je suis Esther Lober et je vous parle dans cette vidéo du registre foncier. La base légale se trouve dans l'ordonnance sur le registre foncier au niveau fédéral, dans le code civil ainsi que dans le règlement cantonal sur le registre foncier. L'organisation du registre foncier des arrondissements et la surveillance administrative est réglée par les cantons. La Confédération exerce la haute surveillance. Les cantons peuvent avoir un registre foncier par arrondissement. À Genève, il existe seulement un registre foncier pour tout le canton. Le registre foncier est dans l'état des droits sur les immeubles. Il comprend le grand livre, les documents supplémentaires comme le plan, le rôle, le descriptif et les biens justificatifs et le journal. Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distinct dans le grand livre. Il contient la propriété, les charges foncières, les droits de gage, les servitudes, les annotations et les mentions. Les réquisitions d'inscription sont d'abord portées dans le journal et ensuite vérifiées par le conservateur du registre foncier. Les inscriptions au grand livre se font dans l'ordre des réquisitions ou dans l'ordre des actes ou déclarations signés par devant le conservateur. Les droits réels naissent avec l'inscription au registre foncier, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre. L'effet de l'inscription remonte à la date de la réquisition dans le journal. Les droits personnels peuvent être annotés au registre foncier, par exemple le droit d'option ou de réméré, le bail à loyer ou le droit d'acquérir un immeuble, par exemple en cas de saisie. Peuvent être mentionnés, par exemple, le représentateur légal, l'administrateur de la succession ou l'administrateur de la propriété par étage. D'autres registres font part du registre foncier, comme par exemple le registre des propriétaires, le registre des créanciers et les registres accessoires, comme par exemple le registre des rues ou des bâtiments. Selon l'article 965 du Code civil, aucune opération du registre foncier, inscription, modification, radiation ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel fonde l'opération. Toute personne a le droit de consulter le registre foncier et de s'en faire délivrer un extrait sans être tenue de faire vraisemblable un intérêt. Toute personne a accès aux informations suivantes: la désignation de l'immeuble et son descriptif, le nom et l'identité du propriétaire, le type de propriété, la forme de la propriété et la date d'acquisition, les servitudes et les charges foncières et certaines mentions. Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre le pouce en haut et d'abonner notre chaîne de YouTube. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.